Salut YouTube! Peut-être la dernière VOD de Darkest Dungeon, je dis ça la dernière fois. Ce sera peut-être vrai cette fois-ci. Allez, c'est parti, courte. Trois provisions. Là, c'est juste être le moment. Moment entre guillemets farm pour que les persos soient prêts pour la fin. On ferme des trucs vite fait. Hein. Le but, c'est on a besoin de faire 5 jours le temps que virer tous les debuffs à tout le monde. Tous les debuffs en kicking dans tout le monde et après, on pourra y aller. To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. Voilà, on va parler par là, on évite de combat. Le but c'est juste d'avancer dans le jeu en fait. Juste de farmer rapidement. D'ailleurs, je ne sais pas quelque chose. Ouais, non, si on va le faire propre. On va finir le jeu proprement. On est presque à la fin. Au boss, du coup, on a fini. Crimson Court, on a vaincu la comtesse. On a tué le gardien après, petit boss que je connaissais pas. On a fini. La ferme, enfin la ferme est un mode qui se termine pas, mais on l'a fini dans le sens où on a tué tous les boss différents. On a fini les trois étages de Darkest Dungeon, il nous reste l'ancêtre à vaincre et le cœur ténébreux. Mais écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit, il nous reste plus. En fait, maintenant qu'enlever les debuffs de nos gars qui vont aller vers le dernier niveau, pas qu'ils arrivent à moitié jeu. Éviter que je perde 4 persos comme la dernière fois. Et une fois que ce sera fait, bim, on tente et ça devrait passer. Alors on espère que ça passe par contre, parce que dans le monde malheureusement où ça ne passe pas, vu que quand tu entres dans ce combat tu perds toute ta team, si tu vas assez loin, ben par contre si ça passe pas, on va se retaper du farm, faut pas vous cacher. On verra, on va espérer que c'est le... ça le fasse. Oui, toute la team. Oui, parce que je l'ai essayé hier soir. J'ai fait un petit try hier soir en mode on va découvrir, on perd qu'un perso. J'ai perdu les 4. Le bouton fuir n'existait plus. Au bout d'un moment dans le combat, le bouton fuir n'existe plus et tu perds toute la team. Alors, certes, c'est la vie que je choisis, mais quand même. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Allez. A fortune waiting to be spent. A fortune waiting to be spent. Désarmer. Hop. As the light gains purchase, demandera à Platypus d'y aller seul. Laissez Platypus tranquille. Il a survécu jusqu'au bout. Jusqu'au deuxième. Il a survécu au deuxième étage d'Arkas Dungeon. Au troisième étage d'Arkas Dungeon. C'est très bien. Another one falls. Cet homme a mérité son repos. Vous savez, les vétérans de guerre, ils sont vétérans, c'est pas pour rien. Laissez-les rester des vétérans de guerre. Allez. Bon. Executed with impunity. Back to the pit. Et pour le Fogen. Totalement d'accord. Tu as bien mérité du repos. Enfin, ton personnage. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Allez. Confidence surges as the enemy crumbles. Un repos éternel, c'est bien aussi. Oui, un repos éternel dans une taverne. Avec des hommes ou des femmes de petite vertu, de la drogue, de l'alcool et du jeu. Pas dans un cercueil. Allez. Hop, on a récupéré des trucs inutiles. On passe tous 5, mais on s'en fout.
In truth, I cannot tell how much quête narrative, putain, dure là. On va voir si on fait la quête narrative. Pourquoi pas, ça fait une semaine rapidement faite. Ouais, fait du stuff marrant. Bon, ça ferait une courte rapide, on le fera, je pense. Alors, du coup, on disait. C'est bon, maintenant, par contre, plus personne n'a la malédiction de sang. Très bien. Personne ne l'a, tant mieux. Alors, on était Kizuke. Alors quoi, Kizuke, penchant pour l'obscur, témoin, cisté du corps vidé, syndrome de l'imposteur. Ouais, donc on a déjà enlevé le syndrome de l'imposteur. Très bien. Pour Kizuke, c'est réglé. Ksum Ksum, c'est au taquet. Je joue Ksum Ksum. Il nous faudra qui d'autre? Next Neji. Alors, 50 000 problèmes, toi. Je vais régler ton alcoolisme. Enfin, c'est Lucie. Si on cherche Lucie. Oh, Lucie, embrasse-moi. Faut qu'on l'enlève son anxiété en plus. Pas parti tout de suite, moi je vous le dis. On va profiter pour virer les autres maladies d'un peu tout le monde. Voilà, donc c'est une bonne chose de fait, ça prend pas longtemps, c'est parfait. On va aller faire la quête du hurleur. Peut-être quête du hurleur, du coup, rapidos, il est pas très dur. Un coup ni rose. Un coup en coup raid. Quick Muzun. Bien quoi, Ashlar, tiens, ça c'est réglé. On va quand même rapidement mettre du stuff également, parce que sinon ça va être chiant. Il y a beaucoup de PV. Voilà. Et c'est parti les amis. Tu peux mode avoir le succès. Oui, tu peux mode avoir le succès. Je crois, c'est ce qu'on m'avait dit sur le chat. J'avoue que moi je ne mode jamais mes jeux. Parce que je suis un peu un con. Bon, voilà, je ne mode pas. Je mode aucun de mes jeux. Je prends du principe de si je dois modder un jeu, c'est qu'il est pas bon. Et voilà. Même si c'est faux, hein, je sais bien que c'est faux, mais quand même. Allez, hurleur horrible. Je te marque. Et ça picore. 33. Ça va plutôt. 21. Bah, le seul mode qu'évidemment je. Il y aurait un potentiel que j'ajoute. Ouais, 42, c'est pas ouf. Sur Darkest Dungeon, 57% ça passe tranquille. C'est pour avoir les skins de perso de Warhammer 40 000. C'est vraiment le seul truc que j'ajouterai. Au début, il y avait un mode qui permettait que le bandit ait 1500 points de vie et attaque 1 000 000 de dégâts. Alors, c'était pratique ça pour faire les succès Steam. Masterfully executed. The will to fight falters. Très bien. Donner la bombe à gauche, tiens. Allez, ça revient bientôt.
pas mal avec le saignement. Allez, une mission vite fait. Oiseau de nuit. Ah. Ah. Le plantage du jeu. Terrible. Le plantage du jeu. Aïe 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 aïe. Va-t-on perdre notre save? Va-t-on devoir retuer l'endormi? Qu'allons-nous pouvoir faire? Stimant PLS. Le chat également et moi aussi. Et Marmotte vient de perdre sa sauvegarde de Darkest Dungeon. Ralala. Le jeu charge encore. Je peux pas le relancer. Considère encore comme lancé. On va pouvoir le relancer. Allez, on relance ça. On y croit. Hein. Bon. Tu. Ruin has come to our family. Ruin has come to our family. Allez, ça va apparaître. Allez. Ne vous inquiétez pas, ça va se mettre bien dans quelques instants. Problème de résolution. Là, pour l'instant, la souris est au bon endroit. Vous allez voir, ça va se remettre. Ça va se remettre bien. Dans quelques secondes, dès que le jeu sera lancé, et du coup le bug de souris popera. Voilà. I see something long absent in the sunken faces of passers-by. Effectivement, on l'a compté. Of hope. A glimmer of hope. Alors, c'est parti. Pardon, c'est pas le bon endroit pour Nexneji. Chaque fois que je rate le dernier, je suis une catastrophe. Je sais que Suksum c'est bon. Ah, Kizuke. Je veux être une meilleure personne. C'est noté. Je veux être une meilleure personne. Moi, je veux juste faire une mission super rapide. Oui, je sais, c'est trop facile pour toi. Tu râles. Il est où en Kured? On va le remettre quand même. Il a beau le râler. On va le faire elle dans une mission courte. C'est moi, aveugle man. Il est là. Merci, on va bien trouver une. Petite courte. Wesh. Ah, quand même. Allez. Allez, c'est parti. Pace out the halls of your lineage once familiar. Oui. Now, Boren. Dans la vallée. Wow, wow. Des marmottes. La, li, la, la. Tac, tac, on se revient là, tranquille. Le petit combat, mais c'est ok. Allez. Pan. Repens. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ouais.
press this advantage. Give them no quarter. On tape derrière. On tape pas derrière. Protection impie. Je te protège. Ouais, on va faire saigner le cadavre. Ou pas. Allez, un petit coup sur le chien. 80. Ouais. Ouais, je commence vaguement à piquer cette histoire par contre. Hey! Teetering on the brink, facing the abyss. Attila 23, on va se détendre un peu là. Saloperie. Destroy them all. Oh. Merci. Confidence surges as the enemy crumbles. On prend les gros loot. This expedition at least promises success. Yes. The match is struck. A blazing star is born. Ok, au moins ils sont déjà plus que 3, c'est déjà une bonne nouvelle. Tiens, te marque. Te marque, petit coup d'anti-stress. How quickly the tide turns. Ouais. Decimated. Petit crit qui fait du bien. Pas se mentir là. Off, c'est ce qu'il fait. Petit crit à 37, t'es là. I like to critique, critique. Allez, un soin. Sedated. On bolasse les deux. Tir précipité, évidemment, c'est esquive bien joué, le meilleur. Et un coup de poignard. Pas de soignement cette fois-ci, on va continuer à déstresser un peu tout le monde, parce que je sens tout le monde stressé. Donc à 29, je sens moins stressé les gens. Et le retour du critique, du coup précipité. Envoyer notre chien. Voilà. Ouais, ouais. C'est noté. On va maintenir l'offensive, sachez-le. Là, on va de l'autre côté. Hey, ah vas-y, combat qui pop. C'est la déchate du combat qui pop. Alors on va marquer la goule insatiable. Quel mauvais goût d'être loup. On esquive bien joué le meilleur. J'ai deux crânes, critique à 23. Et regardez, je vous ébahis. La veur. Désespoir, ouais, je sais pas trop bien tout ça. There can be no hope in this hell. No hope at all. Allez. Ok, le saignement c'est réglé. Petit soin sur Jean Didier. Non, il veut pas le petit soin. Attends, pas de petit soin, on va le marquer. La victory. Perhaps a turning point. Voilà. C'est sympa, il nous redonne du sang. This momentum. Push on to the task's end. Allez, du coup, tac, 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 encore 4 salles et pour l'instant un combat. Des squelettes. Bonjour, monsieur Sigur.
devastating blow. The devastating blow. En moins de critiques, ça nous baisse le stress. On va essayer de finir lui, il restera que Jean Didier camouflé. Bataille sépulcrale, bien joué. Il, choix. Le stress de tout le monde. L'entaille sépulcrale de Rochef. Ouais, cette fois-ci c'est bon, on peut le tuer. Coucou, ça fait un an que je vais pas regarder ton stream la dernière fois, c'est aussi sur ce jeu. Ah, c'est pas possible, Vasseria. C'est not possible. Il y a un an. Il y a plus, oui. Ah, il y a un an. Packs laden with loot are often low on supplies. Mais bien le bonjour en tout cas. Et bon, après là on arrive près de la fin. Normalement. Normalement. Oui, je répète beaucoup normalement, mais normalement. Bonjour Dralos. Dans moins de 2 heures. Moins de 2 heures. Nous devrions avoir fini ce vote des enfers. As the light gains purchase, spirits are lifted. Fini le last boss. Après, il y a peut-être un épilogue, hein. Peut-être un trou last boss ou des trucs que je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression. Parce que je vous connais, hein. Avec tous ces lives que je fais sur le jeu, vous m'auriez déjà spoil s'il y avait un trou last boss. Ne nous mentons pas. Bonjour Corwinak. Alors actuellement il me reste le dernier boss à tuer. L'endormi et la comtesse sont morts hier et avant-hier. Ouais. Un carreau. À l'assaut! Bien joué. On va le taper, on marquera plus tard. Avec un autre perso. Point mort. Bien joué pour l'esquive. Très bien. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. I just can be done. Ok, du coup il reste une salle là et un couloir, une salle, on aura fini ce niveau, il nous manquera 4 jours pardon, enfin 4 maps avant de pouvoir retenter le boss final. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Petite clé. Est-ce qu'on avait pris une pelle avec? Et évidemment, le spécialiste de la pelle. Premier sur la pelle en France. Ah, c'est pas fini? Ah non, encore une pièce. Ah, je suis pas compté. 1, 2, 3. Ouais, 90, ouais. Non, mais 90% de 10, ça fait effectivement 9. Bon neurone. Non, mais c'est pas faux ça. Non, mais vous avez raison. Maintenant que vous me le dites. Voilà, on peut retourner au hameau. Cette fois-ci, c'est bon. Ouf. The great ruins belong to us. Allez. And we will find whatever secrets they hold. Women and si on recrute plus que d'habitude, c'est jour de paye. Allez. Fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Obsession.
deux semaines quoi. En gros. Voir le cimetière, il est infini le cimetière. Pas très intéressant, regardez mon cimetière, il est infini. Il est littéralement infini. Il y a le monde entier dans le cimetière. On va aller rapidement, vite fait, on fait la moyenne, juste pour gagner du temps. Oui, oui, on s'en fout, pas de breloque. Il doit y avoir 30 persos dans le cimetière. Quelque chose comme ça. Tac, 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 des torches, nom de Dieu. Ah, le père Lachaise, il y a moins de personnes que dans mon cimetière, moi. The smell of rotting fish is almost unbearable. Ok. Ah, on peut pas faire le tour, j'ai cru dire. Ah, et on peut faire le tour, MDR, c'est trop bien, pas du tout. Bon, après, je fonce, hein. Ça aurait pu être bien que je pense à booster quand même mes personnages, je peux passer niveau 5. Mine de rien, ça aurait été malin. Allez. Bon, 4 points de vie du pélage, la grande gueule. Ville pélagien joufflu. Petit piqueur. Petite semure. Ouais. En fait, si tu mets des persos niveau 5 dans un donjon niveau 4 mais qu'ils ont le stuff de persos niveau 4, ben, ça sert à rien. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Marmotte, tu finis dans le reste dans le jour. Non, il me reste le dernier boss. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera les conseils de Bertrand aujourd'hui. Sachez que si vous n'achetez pas les compétences et que ni le stuff de vos persos, bah, ils bougent pas de niveau en fait. Ah, quel âne je fais des fois. Là, du stress. Détruire les cadavres parce qu'on est un fou. On est étourdi. Incroyable. Nice. Give them no quarter. Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud. Mais oui, ça doit être la preuve aux ennuis. Je joue à d'autres jeux vidéo, ce sera moins bien, j'ai pu m'énerver. Darkest Dungeon est comme la proportion qu'à certains moments je m'énervais. Ce que je fais rarement. Parce que ce jeu est frustrant. Même si bon, on peut lire que je suis devenu trop fort pour le mode radieux maintenant et que... Non, en vrai, c'est il y a juste certains moments chiants, mais en fait, c'est vrai que si tu dois refaire le jeu alors que maintenant tu connais le Darkest Dungeon, maintenant que tu connais le Crimson Court, ça irait vachement plus vite. C'est vrai que ça irait vachement plus vite maintenant si je devais le refaire une prochaine fois. Connaissant le Crimson Court, connaissant le Darkest Dungeon, il y a tout le côté ultra relou. Et sachant un peu plus les combinaisons et tout, vu que j'ai un peu découvert les trucs, ça irait vraiment beaucoup plus vite. Mais je sais que je suis pas assez fan du jeu en fait pour lui retrouver une rejouabilité suffisamment intéressante pour que je m'y remette dessus. En fait, ça fait vraiment. C'est comme les XCOM. Genre une fois que t'as fait XCOM 2 ou autre, si tu le refais trop souvent, c'est compliqué.
Alors. Quel final? Recommence pour qu'on prenne le temps. Non. Comme je dis, en fait, ce qui m'intéresse dans Dark Knowledge, c'est la découverte des boss, des donjons et tout. Mais maintenant que j'ai découvert les boss, il n'y a pas plus de boss dans les autres modes de difficulté. Il y a juste plus de boss. Ça rend pas le. Pour moi, ça rend pas le jeu. En fait, c'est pour ça que je fais rarement les jeux en New Game Plus ou autre. Parce qu'à part, c'est du contenu supplémentaire, ce qui n'est pas le cas là. Le jeu reste le même concrètement. Bah, les ennemis ont peut-être plus de points de vie, encore, même pas sûr. Mais les boss même les mêmes, les capacités restent les mêmes et compagnie. C'est pour ça que je sais que je le referai pas, parce que sinon le jeu sera le même. Virtue. Alors. Ok. Quel est ton avis sur le jeu? Ah, il est très bien le jeu. J'aime beaucoup le jeu. Je trouve que faire un run, découvrir tous les trucs, etc., c'est très bien. Je sais que si j'avais par contre regardé un walkthrough, comme on dit, je l'aurais pas fait. C'est clairement un jeu que j'aurais pas fait si j'avais regardé quelqu'un jouer avant. Et si tu kiffes ce style de jeu, clairement, je te le conseille. Clairement. Très clairement. As the light gains purchase, spirits are lifted. Spirits are lifted. Purpose is made clear. Après, il faut aimer le style. Hein. Ça reste en fait un porte-monstre trésor à l'ancienne en style de jeu, parce que c'est très proche finalement d'un donjon et dragon initial. Donc, faut quand même aimer le style. Et c'est oui, il y a beaucoup de grind. Oui, en fait, c'est le côté un peu beaucoup de grind qui m'a fait aussi jouer au mode radieux. C'est que je trouve que c'est déjà très long de monter les persos. Quand tu meurs, remonter les persos, c'est infernalement long et chiant, je trouve. C'est pas intéressant du tout comme gameplay. Donc, il y a aussi effectivement le côté là qui fait que j'ai aussi joué au mode radieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de grind. Et que la partie grind est justement la partie la moins. Au final, intéressante au début quand tu découvres. Mais une fois que tous tes persos sont un peu niveau max, que tu perds tes persos, que tu récupères d'autres 3 ou 4 et le repexer et tout, je trouve ça inintéressant. Et absolument pas fun ni plaisant. C'est juste du grind pour du grind. Alors, bien sûr, il y a l'idée que derrière, du coup, ça fait que le jeu est punitif et ça fait que ça te montre que tu vas pas t'attacher à tes persos, etc. Et que. Enfin bref, il y a un tas d'explications, mais c'est pas une mécanique. C'est la chose qui m'enquiquine plus dans le jeu, c'est ça. C'est quand tu perds tes persos niveau max, et si t'es en découverte, ça va forcément arriver. Parce que quand tu prends des boss, ces trucs dans la gueule, notamment dans le Darkest Dungeon que tu connais pas, tu vas forcément perdre tes persos. Moi je suis arrivé à l'étage 3 du Darkest Dungeon, je sais pas du tout comment ça marchait, le truc des TP et tout, etc. Genre c'était compliqué que je perde pas au moins un perso, donc après faut remonter et tout. Si après tu joues avec un wiki ou directement avec un guide du jeu, c'est pas la même. Effectivement, si j'avais joué au jeu avec un wiki en mode je peux éviter les grosses emmerdes à gauche à droite, ce serait certainement mieux passé et du coup j'aurais fait un mode de difficulté plus élevé. Mais là c'est vrai que t'avais ce côté
Ce côté où forcément tu prends tous les trucs de la gueule. Et en plus j'avais écrit sans courte activé dès le day one. Peut-être que le 2 sera plus intéressant sur le mode jeu. Ouais carrément. Ah mais j'ai très hâte du 2 quand même. Clairement, on verra bien. Ah mais le 2 je le ferai dès qu'il sortira. Je le ferai pas en early access. Je le ferai clairement pas en early access. Parce que c'est très très rare les jeux que je fais en early access, parce que c'est un truc qui me dégoûte des jeux avant qu'ils sortent et du coup j'aime pas. Mais quand il sortira je le ferai. Même si ce sera sur Epic. Mais du coup c'est bien quand le créateur baisse ma mode sans eux. Sur Epic. Their formation is broken. Formation is broken. Maintain the offensive. Je le ferai quand il sortira sur Steam. Bah 2022-2023, ça dépendra. Ça dépendra. Allez. Let's go. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Bon. Perso, New Game Plus, pour moi, c'est vraiment le mode. Ah oui, non, mais effectivement, si tu vraiment tu kiffes Darkest Dungeon et tu veux te refaire une nouvelle expérience, tu fous le mode le jeu. Ça c'est effectivement. Oui, moi je dis que je suis pas fan des modes parce que j'ai beaucoup de jeux qui me plaisent. Je suis pas quelqu'un qui reste focalisé sur un jeu. Quand j'ai fait le tour d'un jeu, j'en passe souvent à un autre. Ou pour tester d'autres trucs. Parce que du coup, il y a beaucoup de jeux qui me plaisent et j'ai pas assez de temps, malheureusement, pour tout faire. Mais oui, si genre t'as des personnes comme ça qui kiffent un jeu et qui peuvent passer 2000 heures sur un jeu. Moi c'est de moins en moins le cas. Mais oui, si après tu veux te refaire Darkest Dungeon, tu fous le mode le truc. Clairement tu fous le mode le truc pour te rajouter du soit du défi, des nouveaux monstres, des nouveaux ennemis, des nouveaux skins, des nouveaux tout. Pour voir un peu le côté je joue à un nouveau jeu. Mais ça oui évidemment. Oui oui ça je comprends tout à fait. Je comprends grave tout à fait. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Voilà. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Ah, les crocrocro, les crocrocro, les crocrocrocrocodiles. The match is struck. A blazing star is born. Il y a plein de jeux comme ça qui sont modables et que justement qui redonnent une rejouabilité à un jeu. Mais c'est une bonne chose. Je trouve que c'est effectivement une very bonne chose. Aïe. Désarmed. Ouais. Packs laden with loot are often low on supplies. Aïe. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Un petit coup. Et on repart. Patin, tin, tatin. Tin, tatin. Tin, tatin. Allez, il est reparti des monstres. En dehors de Darkest Dungeon et Isaac, j'ai même modé mes jeux, c'est les deux seuls où je trouve que ça mène vraiment des ajouts. Même sauf si les rares jeux, j'ai plus de 400 heures bizarrement. Oui, bah après chaque personne a plus ou moins de plaisir sur un jeu, que ce soit... Genre je sais par exemple, il y a des personnes qui ont full mode Total War Warhammer 2 et qui sont à, du coup à 2000 heures dessus. Donc je sais que Total War Warhammer 2, là je suis à 460 heures, j'ai pas encore fait les 100% de succès Steam, t'as un tas de campagnes que j'ai pas essayé, Marcus, machin, t'as d'endroits que j'ai pas fait sur la map, je sais que j'aurais pas besoin de mode le jeu, concrètement. Que je trouve qu'il est déjà tellement riche qu'il y a tellement de choses que j'ai pas besoin de le mode.
Après Darkest, te faire une campagne Total War. Alors normalement, j'attaque Malus Darkblade demain. Merci Big Truff pour le Game Prime. Merci beaucoup. Et bienvenue dans la taverne. J'attaque, je pense, Malus Darkblade sur Total War demain. Qui est la dernière évoquée. Et pour après, la semaine prochaine, samedi dimanche prochain, je ferai des découvertes. J'ai pas mal de petits jeux à découvrir. Et j'ai également une journée jeu Warhammer 40 000 que je voulais faire. Je l'ai fait Warhammer, j'ai pas fait Warhammer 40 000. Et puis voilà. Et puis notre journée découverte aussi de jeux, parce qu'il y a quelques jeux comme Curse of the Dead God qui se vont sortir. Comme Nebuchadnezzar aussi, petit jeu indé ou autre que je teste. Et voilà. Puis peut-être notre campagne Total War. Puis après j'attaquerai un autre sub-goal. Faut que je regarde les sub-goals qui me restent à faire. Faut que je regarde aussi les sorties. Je sais plus si en mars c'est une grosse sortie que je voulais faire ou pas. Je crois pas. Je crois que la première grosse sortie que je voulais faire c'est Nier Réplicante. Mais du coup ça me permettra de faire Nier Automata avant, que j'ai pas fait non plus. Et puis, as-tu réussi la ferme? Oui. Ah mais oui, puis après en mai t'as les tu as les, comment ça s'appelle, en mai, hein, certes fais ce qui te plaît, mais en mai t'as les Mass Effect que j'ai jamais fait. Faudra que je regarde les sorties mars s'il n'y a pas un truc qui me semi-hype en sortie. Enfin t'as un petit jeu indé comme Loupero qui me hype, mais c'est pas des jeux que je stream. C'est un jeu que je ferai tranquille dans mon lit sur le petit PC. Allez. Seize this momentum. Push on to the task's end. On est reparti. Ça veut vouloir, le 2 ne sort pas en mars. Sans pas concerné. Hey June, don't take me back. En tout cas, je serais très content quand j'aurai les crédits de jeu. Il y a repentance en mars. Je suis pas du tout Isaac pour le coup. Isaac, je dois avoir 20 heures de jeu dessus au total et un peu plus précis à chaque fois. J'avoue ne pas du tout être un aficionado d'Isaac. J'aime pas le... Merci Drosnaga. Pour le 5 mois de la taverne, merci beaucoup. Je suis pas très fan du fait de devoir bouger la... pour les tirs, de devoir bouger la tête de son perso pour les tirs et tout. Et je suis pas fan de l'interface du jeu généralement, du fait que t'as pas les... Le fait que tu saches pas ce que fait chaque item, etc. Voilà, du coup ce qui fait que je n'y joue pas. Despite its morbid aspect, hop. This twisted cavernous maze seems almost traversable. Alors, months, years, an eternity, and we were rewarded with madness. On a plus de problème de sang, rassurez-moi. Ouais, ça va, plus de problème de sang, je le disais bien. Du coup, donc, revenons à nos moutons. Voilà, quitte à avoir des persos. Quitte à avoir des persos qu'on level up, autant qu'ils aient le stuff du level up. Voilà. Alors, Glow Max Store. Est-ce qu'on a encore vraiment besoin Kizuke? Là quoi, penchant et témoin. Donc ça on s'en fout un peu. Kizuke c'est à peu près bon. Lucie. Ok. C'est à peu près bon. Et le dernier c'est Nexneji. Ok.
Ça, on va devoir le virer du coup. Donc du coup, dernier passage, dernière semaine, et après, ben, on va dire qu'on va y aller. Enfin, je dis dernière semaine, dernier jour. Dernier jour, et après, ça va être l'heure du try sur le boss final du jeu. Ben, nice, comme on dit. Nice, nice, nice. J'ai hâte et en même temps j'ai pas hâte. J'ai hâte d'y aller. Mais j'ai pris, il était pas si dur que ça. Je sais pas, on verra. Écoutez, on verra. Dernière petite mission, c'est quoi? Moyenne, 3 reliques sacrées. Il n'y a pas une courte quelque part. Si voilà, 100% des pièces et combat. C'est parti les amis. Il n'y a pas de breloque, c'est pas grave. Détente. Marmotte respire durement, doucement. These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. Petite map rapide. Allez, c'est bientôt la fin. Appel des profondeurs. Très bien. Harponnage. Très bien. Yar. Allez. Ça résiste les deux, c'est pas très très gentil. Platypus au combat final. Et non, nous avons pas atteint les 450 abonnés. Platypus sera pas au combat final. Ouais, on tue l'escargot, parce que pourquoi pas. Allez, bim. Oh, ça esquive les impôts. Bien en jouer, l'évasion fiscale. Ouais, notre adversaire lance évasion fiscale. T'en n'a pas encore eu d'ailleurs de cas d'évasion fiscale avec des streamers, youtubeurs. Voilà, le jour où ça arrivera, comme je rigolerai. Voilà, évasion fiscale de l'argent des abonnés. Il n'en a pas encore eu de cas. Oui. Ça arrivera forcément un jour. Il n'y a pas encore assez d'argent dans le milieu. Oui, il n'y a pas encore assez d'argent dans le milieu. Mais ça viendra. Et j'ai eu des cas de détournement d'associations. De noms et d'associations. C'est vrai, t'as raison, Yuzu Luna. T'as raison, exact. T'as complètement raison, j'avais déjà oublié. Effectivement, un mec qui avait détourné l'argent. L'argent d'une association. Pour une association. Il y a des youtubeurs qui ont déjà à Dubaï. Ouais, mais en fait, t'as beaucoup de. C'est pas des. Ouais, t'as beaucoup d'influenceurs, Instagrammeurs, slash, etc. Qui sont à Dubaï. Actuellement, effectivement, notamment parce que tout est ouvert là-haut. Évidemment. Allez. Y a pas un mec de Malte qui a détruit de l'argent. Ouais, mais il était déjà à Malte. Je sais pas. Non mais en France, genre, ça arrivera bien un jour. Tu diras, ça y est, c'est un milieu comme les autres. Ça détourne de l'argent salement. Ouais, j'ai fini les esquives là. Anxiété, laissez-moi arrêter d'être anxieux.
pas 8. Voilà, les impôts à 4 sur l'escargot là. Coup de saumure. Un coup de saumure à nouveau. Ouais. Allons le tuer. Ça c'est déjà arrivé, on sait tous se rapprocher du Luxembourg, c'est pas pour la météo. Ah oh là là. Merde, on s'est pris à jour. Mais non, mais j'ai pas assez d'argent pour le mettre au Luxembourg. J'aimerais bien. Je suis pas assez riche. Les nains du Luxembourg ils disent: qui es-tu, petit nain français? Retourne dans ta mine. Tu sais bien, le règne en avait des mines. On ne veut pas de toi chez nous. Ouais. Oh même, ça fait l'escargot de ces enfers. Bernicle. La pelle élimine facilement les coquillages. The light, the promise of safety. The light, the promise of safety. Alors on va verser les deux. Allez, youpia, ya, youpi, youpi, ya. Vous avez faim. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Allez, c'est parti. Et badaboum. Exposed to a killing blow. Ouais. Allez. Precision and power. Bon. Prends la sauce, le coup de poignard. Dazed, reeling, about to break. Et un tir de sup. Pression. Pluie. C'est peut-être la dernière pluie de fouet qu'on prend, hein, terrible. Peut-être la dernière pluie de fouet de Dark Assault John. Je dis ça, j'ai perdu mes 4 persos sur le boss final, je vais voir flou, je vais insulter tout le monde. C'est, on sait que c'est comme ça que ça va se passer en plus, c'est ça la 4 pluie pire. Je sais que c'est comme ça que ça va se passer. Et retire dessus. Ah mais arrête de tout esquiver là, j'en peux plus. Tu me saoules à esquiver. Tu perds même pas du saignement. Allez, on s'esquive aussi, ça va. C'est bon, j'arrête de me plaindre. 39 sur la finale. Finale plutôt gourmande. Que nous retrouvons dans ce rhum. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Na, 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 na. Du coup, on n'est pas à la fin. Bientôt, comme peut-être un combat. Le message a un impact durable sur le héros. Allez, il y a encore des aiguilles. Aussi appelé poisson dans le milieu et ça harponne. Ya ya ya.
Ça harponne, petite entaille marine. Le critique à 26 sur Zog. La souffrance. Allez, le petit souffle. Petite entaille. Prends les 14. Petit harponnage. 13. Voilà, on fait saigner les deux. On espérait faire saigner les deux. Les dégâts. Allez. Parfait. Moins. Gently. This is how a life is taken. Sarpone. Merci Fire Spirit 290 pour le 15 mois. Merci à toi. C'est le seigneur moyen de terminer. Allez, arrêtez de skiver! On en a marre! Merde! Ah, mais bon, je crois qu'on est à 36. On parle de ce mois. La mort à poule, le décès. Et un esquive. Hop, hop. Allez, à l'arrière, toute. Voix 16. Le piranha pélagique. What a name! Horrors brought low and driven into the mud. Regarde tout en plus. Quel rapier. As the light gains purchase. Fight. J'espère que ce soit le dernier cette fois-ci. Masque de salle derrière. Vague de stress. Allez. J'adore ma vie. Dormir profond aussi. Allez. Bon. Ok. The wounds of war can be healed, but never hidden. Un pot. Critique sur l'escargot. C'est vraiment ce que je repense au Darkest Dungeon, c'est le farm. Le farm d'invitation pour la Crimson courte, le farm le temps de monter des persos qui meurent, le farm le temps d'une fois que t'as trouvé, une fois que t'as fait un test et que t'as trouvé l'équipe de virer tous les debuffs. Mais après, sans ça, le jeu serait vraiment rapide, donc je comprends qu'il y ait du farm, que c'est nécessaire, mais je sais pas. Genre autant il y a des moments de stress intense, des moments vraiment ultra cool, ultra cool quand tu réussis, hein, c'est de la merde quand tu rates bien sûr. Autant t'as aussi d'autres moments qui sont vraiment... Genre mais tu sais que tu vas le faire pour avancer dans le jeu, mais c'est vraiment pas dingue quoi. Genre tu pourrais faire un real talk en même temps ou raconter n'importe quoi, serait cool, serait mieux, j'aurais dû taper derrière. Parce que là j'avoue que j'appuie de manière un peu automatique sur les persos, sur les trucs, je fais pas du tout attention à ce que je fais. En mode, ils vont bien mourir à un moment. Au pire, c'est moi qui meurs. C'est pas grave. On s'en fout de l'équipe. C'est parce qu'on va se faire un. Ouais. Un point de vie, c'est un beau chiffre. Allez, plus que deux. Petite vague de stress. Alors après, il y a aussi peut-être cette sensation parce que j'ai fait le jeu avec les deux DLC dès le day one. Peut-être effectivement que si j'avais juste fait le jeu de base, j'aurais moins cette sensation. J'avoue. Ah non, je dis pas que c'est que le jeu n'est pas excellent, le jeu est excellent. Mais je dis juste que c'est vraiment le point qui me chagrine, mais ça n'enlève nullement les qualités du jeu. Il
non, le jeu est vraiment... Genre, le DLC Crimson Court, pour moi, est incroyable. Et mérite vraiment d'être fait. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Reland. Mais oui, on est au bout, il reste plus qu'un... Je pense que t'as une demi-heure près, tu aurais raté la fin, ma chère Lane. Ok, on y est presque. On y est presque. C'est esquive. Tu as tous les sets de Crimson Court? Non, j'en ai certains, pas d'autres. Momentum. Push on to the task's end. Allez, tout le monde en position. Bientôt. La fin, peut-être. Cruel machinations spring to life with a singular purpose. Irrationalité, allez. Ne peut être pas lui, beaucoup beaucoup de combats dans cette... Gnawing hunger sets in, turning the body against itself. Dans ce donjon, ouais, un donjon peu court. Je crois que c'est le dernier cette fois-ci. En plus il y a deux gros caca. Ça va être l'enfer encore une fois. Le jeu n'est pas fait pour être rush sur deux semaines. Si, bien sûr que si, Neuron. Le jeu est... Non, c'est que le jeu est clairement fait pour être spam. Non, justement, le farm est tellement important que justement, pour moi, le jeu est fait pour être spam. D'où le farm. D'où le farm. Un jeu, justement, qui n'est pas fait pour être spam demande moins de farm. Parce que du coup, s'il demande moins de farm, vu que les joueurs y viennent moins souvent... T'as besoin de moins de farm pour proposer un contenu sur la durée. Plus le jeu a besoin de farm, pour moi, plus le jeu est fait pour être spam. Enfin, spam, rush, quoi. Annihilated. Parce que justement, plus il demande de temps, plus il faut de temps libre et plus tu le fais sur la durée, plus c'est compliqué. Rire fou. C'est Octocest, allez, rip le bouffon. C'est ça. Teetering on the brink, facing the abyss. Voilà, le coup fatal, on aime. Irrationalité de rechef, on aime. Reeling, gasping, taken over the edge. Into madness. C'est pas gagné cette histoire. Cicatrice, ça fait plaisir. Une barrière de verdicle. Un mort, ouais, ça faisait longtemps. Hein. Ça nous manquait, les morts, que je vous dise. Il passe son tour, allez. Vous asseoir à... Ma table, il fait si froid dehors.
Ici c'est confortable. The wounds of war can be healed, but never hidden. Gros combat. Gros combat bien sûr. Allez, ça esquive encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord. Rationnel. Oui, on a tapé à 4. Bien joué. Tu es le plus fort. Bravo, tu as tapé à 2. Continue, ne lâche rien. Red bénit mes alliés pour qu'ils arrêtent de faire les imbéciles. Azariat. Allez. Oui, 3 points de dégâts. Oui, vas-y, l'Octocestadus. On lâche rien. Le 3 qui rentre. Ah, elle existe. Donc un combat passionnant, mais avant tout un combat pour passionner. On est déjà au tour 11, il ne se passe rien. Ah, tandis que la Vestale risque de passer de trépas à trépas, comme on dit en français. Encore un coup d'Octoceste, ça esquive. Fait des sacs à points de vie, full protection. Et comme j'ai que des dégâts physiques, donc le bouffon est mort. C'est un drame. Le Folgrammen. Le bouffon est-il mort? Non, il essaie de partir à la plage. Il s'est dit, oh j'en ai marre. Je vous attends à la plage. C'est plus cool que dans votre donjon de merde. Voilà. Allez. Incroyable. J'en ai marre, je me casse. Salut à plus. Un peu comme elle. Allez. Oh oui, encore une vertu incroyable. De ceste. Je me casse mon bouffon, c'est ça. C'est Naboo en fait. C'était Naboo. Oh voilà, un PV incroyable. J'espère par contre que c'est vraiment la fin cette fois-ci. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Allez. The pungent odor abates. The things are driven back for a time. Au revoir, Vipon. Bon allez, it's time, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Life. Ah, on peut réanimer quelqu'un. Tumbrorken. Amira, non, je suis désolé. Ouf. Ah bah, c'est Tumbrorken, hein. Hop. Bim. Le niveau 6 sont réanimés. Allez. It's time for the Great Showdown. Lucie. Non, Lucie entre les positions. Zoom, zoom.
Isso que é. Peut-être qu'un bandit est mieux d'ailleurs. Peut-être que Papy. Peut-être en vrai de vrai, Papy Yolo est mieux. Non, il a trop de debuffs. Ok, j'aurais dû m'en penser avant. Kisuke, du coup, et Nexneji. Allez, on va en profiter pour debuff. La Mif, Flirtum Rorken. Au cas où ça ne passe pas, on va commencer à réfléchir à notre équipe. Mine de rien. Genre au moins on enlève ça. Peut-être qu'on aurait besoin de Papy Yolo. Ouais, j'ai eu beaucoup de demandes de résurrection, j'avoue que je... J'étais plutôt plutôt dans la chatoune là-dessus. Ne nous mentons pas. Petite fontaine, non. Bon. Ce serait bien que je rate pas, en fait. Pour une intense réflexion, ce serait bien que je rate pas. Alors... Ça part. Retirer toutes les breloques sur tout le monde. On trie les breloques par rareté. Et c'est y part. La madame. Elle veut son parchemin de soin. C'est comme cette vestale. Non, je veux pas de gens qui ressemblent à des monstres. C'est toi qui vois mal. Désolé. Ok, c'est son malus de ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Ouais, c'est 33, c'est important. ...25% de dégâts en position 4. Solide. Et un autre truc qui augmente les dégâts. 15 de précision. Moins de stress. Bien là-dessus, on a tout qu'il nous faut. Bah écoutez, je crois qu'on peut le dire que... On va juste bien mettre les comps de tout le monde, parce que j'ai bien vu que tout le monde n'avait pas toutes les comps. On va bien regarder qu'on est bien. On s'en fout. Également, on passe par là. Ce serait dommage que quelqu'un n'ait pas tout. Et regardez les comptes. Donc, tac, 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 tac. C'est le fait. Ensuite, ici, je sais pas si le perso bouge ou pas. Grenaille. Ok. Bon, et eh ben j'ai envie de dire en avant Guingamp. En avant Guingamp, Perpignan, Mont-le-Marsan. Donjon Ténébreux, cœur des ténèbres. A bientôt Super Poilu. C'est parti. Maintenant. Là tout de suite. Oui. Allez. Tac. 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 Tac, tac, c'est pour le plaisir.
Allez, let's go. Donjon ténébreux, dernière partie. Deuxième try. Allez. C'est le boss de fin. Et l'ancêtre salaud, une miette de la vérité cosmique. J'ai trouvé ici du lancement de prise de conscience. Je cessais d'être un homme, je suis devenu un messager, un avatar. C'est vrai, nous allons commencer une prédiction. An avatar of the crawling chaos. Vous avez deux minutes. Va-t-on first try le boss de fin? Allez. Life feeds on life. In your petty pursuit of family redemption, you consume those who rally to your cause, and in so doing, you strengthen the thing, accelerating the end. This is as it should be. It is why you are here. C'est noté. Une marmotte qui se balade sur un poil de toilette, voilà d'araignée. Encore ! Arrête de raconter ta vie. Forever, you and I, at the end of the world. At the end of the world. Free yourself. Rouse the thing. L'énergie cosmique qui existe en chacun de nous. Cosmic hideousness that lives within us all. Je n'ai jamais été fan des compos marques. Ah, moi j'adore. Mes meilleurs DPS c'est les compos marques. De toute façon, je joue que compo marque et compo brise bouclier, heal, sustain, super long combat. Allez, c'est parti. Let's go. Consider yourself an entity separate from the whole. C'est parti. I know better, Jon Snow. Allez, commence par un petit chant. Appelle deuxième. Petit plan détente. Mais le fun sporadique. C'est pas bon le sporadique. Ouais, il faut qu'il nous fasse des différents pour qu'on se mette bien. Ah, une imparfaite, c'est bon. Faut défoncer les reflets imparfaits pour pouvoir lui enlever des points de vie. Bon, ça se fait pas trop mal, on va pas se mentir. C'est un bon début. Là, on a une reproduction parfaite. Ok, c'est ça qu'il faut qu'on focus. On va gérer le stress hein, pour éviter que ça parte en loukoum ou en cacahuète.
crit qu'à 19% pourtant. Ça réunionne. Ouais, ça fait saigner tout et tout. On peut être sporadique. Ok, c'est une sporadique active et une somnétique. Le temps guérit tout. Réunion, esquive, kikive. Ça esquive, bien joué. 23, c'est la vie qu'on a choisi. On refait un petit hurlement du loup pour baisser le stress de tout le monde. Réunion. Je sais pas pourquoi je fais le... C'était stupide. Un pansement balancé en l'air. Ok. On le stress, hein, c'est parti en cacahuète. Merci. Pour jouer quoi 23 coup à 9 et un coup de heal. Toi t'es réglé. Et du coup coup de masse sur toi. Oh, critique à 17, ça fait plaisir. Ah c'est un fou. Et on soigne un peu. Ah, deuxième reproduction parfaite. Donc si on tue les deux, ce sera plus qu'un PV. Ok. Petit crit à 28, on aime. Pour le distress en plus, parfait. Ok, il y a le troisième à focus là. Oh, le critique, parfait. On aime la vie qu'on a choisi ça. Donc là, il a 0 PV. Ça switch. The flesh is fluid. It can be changed, reshaped, remade. Je me rappelle plus de la phase là. Je crois qu'il fallait que je le bourre. Je me rappelle absolument plus de la phase là. J'ai aucun souvenir. On va le bourrer dans le doute. Une marque avec lui pour le bourrer.
vrai que t'as dur. Peut-être lui donner des croquettes à Médor au bout d'un moment. Putain, mais ça full focus le même, ça me saoule. Je sais que c'est normal. Quand même, laissez-moi me plaindre un peu. En plus, dans ma mémoire, il bouge un petit peu ce sagouin. Ah voilà. Viens devant. Viens voir la marmotte toi maintenant. Voilà. Je préfère pas taper les noms absolus, je sais pas si ça fait pas un debuff ou un truc comme ça. Is immortal. It is undying. Pray it does not take too hideous a form. Attack. Wesh, tout ça esquive. Y'a aucun bruit, ça me stresse, hein, sachez-le. Ok, midlife. Voilà, ça fout l'esquive like real boss. Allez, on marque. La P3, alors la dernière fois il y avait une P4, mais là on est en train de bourrer le boss, genre hardcore. Je sais pas sur une P4 ou pas. Et bim! Ah, pas du tout. Ok, on lui a mis ça comme point de dégâts, d'accord. Marmotte, que tu Gloomhaven, bien sûr, très bon jeu de plateau. Ok. Du coup P4. Alors donc là oui, c'est ce que je m'étais à foire, ça tue quelqu'un du groupe. Tout le monde le chat, s'il vous plaît. On respecte Xoom Xoom qui va décéder dans quelques instants. J'aimerais bien F hein, pour respect, comme on a sur Call of Duty dans le chat pour Xoom Xoom. Adieu Xoom Xoom qui va rejoindre son créateur. Je suis désolé Xoom Xoom. Je m'excuse, c'est pour la cause. Bah si, tout le monde est full PV, on enlève le heal. Tout le monde est full PV, malheureusement on enlève le heal. Je suis désolé. Merci beaucoup pour le service rendu. Merci à tous. Good.
partie crit à 53 indépendants. Ah, Lucie, merci beaucoup. Non, c'est pas Lucie. Cher mousquetaire, je suis désolé, mais si t'es en position 1 ou 2, tu pourras plus taper. Adieu, et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. En plus, t'es un peu dans le stress. Merci bien. Kizuke, adieu. Kizuke. C'est comme le combat à deux, quoi. Ça esquive. Il absorbe, c'est le talent. Marque. PV left. La dernière fois on est mort à 32 PV, donc on progresse. Allez, peut-être que Nice Neji va finir le jeu sur ce quoi, 80% d'attaque. 18-35. Il triche un peu le boss, oui, il triche un peu. It's time. 22. S'il a pas de heal, si one shot passe, c'est bon. Ok, il n'y a plus de créateur, on va finir le 3. Et du coup, le meilleur ami de l'homme. Alors, est-ce que c'est tout? Attendez, est-ce que c'est tout? Victory. Oui. And ridiculous notion. Oui. Oh oui. This thing made from it. And we will be returned to it in time. The great family of man. A profusion of errant flesh, multiplying, swarming, living, dying, until the stars align in their inexorable formation, and what sleeps is roused once more, to hatch from this fragile shell of earth and rock. Et merci Papillolo pour les 3 sommes offerts. Ortès joue. Jouer à Swan 91. Merci. Ruin has come to our family. Et tu deviens l'ancien. Et tu deviens l'ancien. Ah, ils ont même pas mis des crédits de fin. Et du coup, si je relance, ça donne quoi? Eh, tu reboucles la boucle. Ouais. Quand j'ai battu le dernier boss, j'étais déçu que ce soit si simple de le battre. Ouais, je suis mort une tune, mais ouais. Bah, tellement content, ça y est. Attendez, je regarde, c'est bien bon. Et par contre, il n'y a pas de crédit de fin. Bah oui, du coup, vu que c'est une boucle, il n'y a pas de crédit de fin. Et merci Lane pour les subs offerts à Yotoki, à Saka Papi, à DJ Blas, à MR, à Xop, à Sifoflay, à Puteli, à Deus Vult, à Gaël, Galois, Nelrax, à Bibi Bop, Gold. Merci Lane. Et du coup, si on embarque, et bah du coup, on embarque juste avant. Ah non, pas du tout. Ah si, ok, on peut continuer. Mais le donjon ténébreux est terminé. Le donjon ténébreux est terminé. D'accord, mais on peut continuer si on le désire. Et pour la ferme, le PVP et tout. Alors du coup, on va faire un petit récapitulatif. Pour tous nos remords, quand même, parce qu'il y en a eu quelques-uns. C'est le moment. C'est le moment où on salue les héros. Qui ont permis en 31 VOD de 2 heures, soit 62 heures de jeu environ, de terminer ce jeu. Du coup, Amira, mort d'une crise de stress insoutenable en 15e sereine. Sirio, se tuer par l'infâme Vilbur en 18 semaines. L'Armatim, mort en 26e semaine. Maître Vestal, qui a perdu tout son sang. Druide Rageur, tué par l'infâme fanatique Faora Ombre Lune,
qui est mort de son sang, hein, évidemment, saignement. Pas de bol, mort d'une crise de stress insoutenable. Valius, qui est mort en essayant, pendant pour permettre aux autres de s'échapper du donjon ténébreux. Snakes, qui est mort contre le fanatique, tout comme Aero également morte contre le fanatique. Meloé, qui a succombé aux griffes de l'infâme équipage noyé. Karshan, qui a succombé aux griffes de l'inferchem informe, tout comme Quakefer également tué par l'infâme cher informe. Nous avons eu Azor, qui est mort en permettant aux autres de s'échapper du donjon ténébreux. Au jeune boudin, qui était tué par la polype. Yemal, tué par les griffes de l'infâme cœur des ténèbres, tout comme Gameror, mort d'une crise de stress insoutenable. Henri IV, mort d'un stress insoutenable. Akrinar, mort d'un stress insoutenable. À nouveau, c'était le cœur ténébreux. Vipon, qui est mort de tout son sang. Xumzum, qui est assez sacrifié pour permettre de vaincre l'infâme cœur des ténèbres, tout comme Kizuke. C'est beau. C'est beau. Et effectivement, regardez la tombe. Quand vous vous battez contre le cœur, vous avez une tombe à part, une tombe magnifique. Voilà. Voilà, vous n'avez pas la même tombe en fonction d'où vous mourrez. Et du coup, félicitations également à Platypus, qui est le seul à avoir survécu au deuxième, au troisième niveau du donjon ténébreux. YouTube, c'est la fin d'Arcade Dungeon. J'espère que t'as kiffé.